Super Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World, Super Mario World, it's a blast from the past. In Super Mario World, it's a blast. Ici, ce serait bien, non? La terre m'a l'air pas mal, mais tu veux que je te dise, je ne suis pas certain que ces hommes des cavernes veulent devenir des agriculteurs. C'est vrai, quoi, quand ils ont faim, tout ce qu'ils ont à faire, c'est tendre la main et cueillir des fruits. Miam, 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 bonne idée. Si Luigi pense qu'il peut enseigner à ces gens l'art de cultiver la terre, pourquoi ne pas le laisser faire? Oui, je suis sûr que ça va leur plaire, hein, les amis? Alors, leçon numéro 1, le labourage. Il faut tracer un sillon le plus droit possible. Vas-y, Yoshi. Un vrai jeu d'enfant. Et là, Yoshi, qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas, mais arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que je vous disais? Un jeu d'enfant. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? C'est mauvais pour nos affaires. Tu as raison. Si ces crétins d'hommes des cavernes réussissent à faire pousser leur nourriture, je ne pourrai jamais les assujettir. À moins que nous, méchants parmi les méchants, fourbes devant l'Éternel, nous leur dérobions toute leur récolte. Ce qui aurait pour effet de causer une famine et qui obligerait les hommes des cavernes à me demander à manger. Ah, est-ce que je peux être intelligent? Parfois, je m'étonne. Bon, je te laisse le soin d'arranger des détails. Si jamais ces nigauds arrivent à faire pousser quoi que ce soit, je compte sur toi pour le leur voler. À tes ordres, ô roi de la perfidie, je les surveillerai 24 heures sur 24. La deuxième étape est aussi très facile. Elle consiste à répandre sur le sol les graines comme ça. Hop. Enfin, si tant est qu'elles atteignent le sol. Alors, c'est bon, vous avez compris? Hein? Finalement, c'est plus dur que ce que je pensais. Mais nul! S'ils ne savent pas cultiver un champ, comment est-ce que je vais voler leur récolte? Passons à l'arrosage. Vous savez le faire, ça, non? Ouba. Parfait, vous allez chercher de l'eau. Non, ils n'ont quand même pas fait ça, sauf qui peut. Gooba de Gooba, Yoshi perd de l'or. Ouais. Ça, pour être irrigué, il va être irrigué leur champ. Alors, ça en est où, vos cultures? Ça avance. Yoshi détestait arrosage. D'après ce que je vois, c'est un vrai désastre. C'est ça, moque-toi. Mais quand viendra la récolte, je te ferai ravaler tes paroles. Et par la même occasion, je te ferai manger de délicieux légumes du potager. Choux rouges des cavernes, poireaux préhistoriques. De quoi faire une bonne soupe. Tu sais, personnellement, je n'ai jamais beaucoup aimé la soupe. Et c'est sûrement pour ça que moi, ton petit frère, je suis plus grand que toi. Le moment est venu pour moi d'entrer en scène. Allez, tirez-moi sur ces racines. Je ne veux plus voir un seul légume dehors. Comme c'est méchant de notre part de leur voler toutes leurs provisions. Je sais pourquoi, afin de nous faire pardonner, nous allons leur donner d'autres plantes, mais pas du genre comestible. Regardez, on nous a chapardé nos légumes. Pas forcément, Luigi. J'aperçois quelque chose là en bas.
Je l'ai. Je ne laisserai pas une plante piranha manger mon frère. Yoshi à la rescousse. Eh bien, heureusement que Yoshi était là, sinon j'étais cuit. Fuyons, par ici. Non, par là. Mario, nous sommes cernés. Malheureusement, j'ai bien peur que nous n'ayons d'autre choix que de nous faire dévorer tout cru. Pardonne-moi pour toutes les méchancetés que je t'ai dites. Foncez l'air d'assez. Dommage que Yoshi vienne juste de manger. Aucun problème, Yoshi toujours garder place pour le dessert. Pas terrible celle-là. Yoshi, tu as vu ça? Nous sommes sauvés. C'est bien, Yoshi. Fais-en qu'une bouchée. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Eh bien, vous allez vous contenter de le regarder? Aidez votre camarade à descendre tout de suite. Toi vouloir la guerre, d'accord, toi la voix. Tiens, 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 Larry, c'était donc toi, notre voleur de légumes. Eh oui, bravo, Sherlock Holmes. Et tu veux que je te dise, j'espère que tu les as bien regardés, parce que tu n'es pas prêt de les revoir, ils sont à moi maintenant. C'est ce qu'on va voir, espèce de garnement. Dorénavant, pour avoir à manger, vous devrez faire vos courses à la supérette de mon père. Allez, à la prochaine, bande de nazes. Mais où sont-ils? Nourriture passée par là. Je vais leur donner une leçon à ces bestioles. Laisse tomber, on va dire aux hommes des cavernes de se remettre à cueillir des fruits. Malheureusement, c'est impossible. Oh Mario, si tu savais comme je m'en veux. J'étais tellement sûr de faire une bonne récolte que je leur ai dit qu'il était inutile de continuer à stocker des fruits. Résultat, ils n'ont plus aucune réserve pour cet hiver. Ils vont mourir de faim, tout ça par ma faute. Ne pas pleurer, Luigi, tout s'arranger. Nous aider. Exactement, tu as travaillé dur pour faire pousser ces légumes et nous allons les récupérer sur le champ. Un pour tous. Tous pour bonne soupe aux légumes. Nom d'une clé douce, c'était moins une. Chut, je crois avoir entendu des voix en dessous. Je suis très content de vous, mes chers compagnons à poil ras. Vous avez fait du bon travail. Je dirais même plus, de l'excellent travail. Désormais, les hommes des cavernes n'ont plus que deux solutions. Soit ils me rachètent leur récolte, soit ils meurent de faim. Oh, mon petit Larry, existe-t-il seulement quelqu'un d'aussi ignoble que toi? Non! But Koopa's a chance for some real mischief. But there's the blackest of evil to be done. He smiles and then says, Chipsy, just go to it. And Chipsy's life becomes a lot of fun. But with this underhanded evil to be done, to be done. And Chipsy's life becomes a lot of fun, lots of fun. If you want to cheat a family of their mortgage, if you want to put some grandma on the street, then I'm the one that has the plan. I know how to do it. Chipsy's got the schemes that can't be beat. And it's underhanded evil to be done, to be done. Then Chipsy's life becomes a happy one, happy one. If the idea is to take someone's life savings, if you want to steal a little boy's last dime, then I'm the one that you should all be calling. I'll do the job no matter what the crime. Well, there's something really rotten to be done, to be done. And Cheatsy's life becomes a worthwhile one, worthwhile one. That's Cheatsy's life. Cuckoo. C'est
très bon, Luigi. Tu peux baisser le rideau maintenant. Sous vos applaudissements, messieurs dames. Dépêchons-nous de rapporter ces légumes aux hommes des cavernes. Que ça te serve de leçon, Larry. On ne prive pas les gens du fruit de leur labeur. Saleté de plombier! Ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Les amis, voici vos légumes. Yoshi! Ah non! Il va falloir tout recommencer. Oh, pour la peine, c'est toi qui vas bêcher la terre, gros gourmand. Allez! Beat.